Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vous explique comment obtenir le Pikachu de Sacha ainsi que la Pikachu Azalite dans Pokémon Ultra Soleil et Pokémon Ultra Lune. Pour commencer, on va tout simplement utiliser le scanner QR puisqu'on va devoir scanner tout simplement le QR code de ce Pikachu. Je vous ai mis le lien en description, le lien vers l'image du QR code. Donc il y a un QR code pour les consoles européennes et américaines et un QR code pour les consoles japonaises, mais je suppose que pour la plupart d'entre vous, vous aurez besoin du code Europe US, hein, que vous soyez français ou en tout cas européen ou alors canadien, hein, pour les francophones. Donc on va aller scanner ce petit QR tout simplement. C'est une simplicité extrême. Vous appuyez sur R. Pas besoin d'être extrêmement précis sur l'angle, etc. C'est pas très important, la console le détecte très très bien. Lecture du QR code spécial, le QR code spécial terminé. Ce sont des informations sujet d'un Pokémon vivant à Alola. Un cadeau spécial vient d'arriver pour vous, récupérez-le auprès du livreur de la plaine des Pikachu à Akala. Et bah c'est évidemment là qu'on va se rendre. Vous savez certainement où elle se trouve, cette plaine des Pikachu. En tout cas, je vous y emmène. On est au... C'est la ville Ranch, dont le nom m'échappe, mais vous savez évidemment où ça se situe. C'est à Akala. On va mettre la carte, hein, pour repréciser. Voilà, on est ici. Voilà, le Ranch Ohana. Et on va se rendre en direction de la plaine des Pikachu. Donc on va passer par là. C'est quand même bien bien simple. Et la plaine des Pikachu, elle est là. Et maintenant, vu qu'on a scanné notre QR code, on a cet homme qui se trouve là et on va lui parler. Et c'est lui qui va nous donner le Pikachu de Sacha. Le Pikachu avec la casquette, hein, pour être plus précis, entre guillemets. Le Pikachu s'ajoute au Pokédex. Nous avons Pikachu et grâce à ce Pikachu, on va pouvoir récupérer le Crystal Z qui lui correspond. Et pour cela, on va tout simplement aller voir un Pikachu, sans grande surprise, qui se trouve ici. C'est celui-ci, celui qui est juste en face, qui est juste devant la dame qui est près du ruisseau, je dirais. Du coup, on lui parle. Et il est content de rencontrer un Pikachu avec une casquette. Et du coup, il nous donne la Pikachu Azalite. Du coup, le personnage va nous interpeller. Oh là là, c'est le coup de foudre. Et c'est tout simplement comme ça qu'on récupère la Pikachu Azalite, enfin le Pikachu de Sacha et la Pikachu Azalite. On va pouvoir le donner à Pikachu à la place de la jolie aile qu'il tient déjà. Ça c'est pas très important. Vous voyez mon Pikachu de Sacha, mon Pikachu à casquette, il porte maintenant la Pikachu Azalite. Vous pourrez du coup utiliser l'attaque Z signature de ce Pikachu. Vous voyez les attaques qu'il a, tonnerre, vive attaque, fatal foot, que de faire comme dans l'anime. Bah écoutez, j'espère que ça vous a aidé. Si vous vouliez votre petit Pikachu à casquette, et bah écoutez, maintenant c'est fait, c'est extrêmement simple. Mais c'est vrai que ça peut pas se deviner. Du coup, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo, ça aide la chaîne et puis ça fait plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner, il y a beaucoup d'autres vidéos sur Pokémon Ultra Soleil et Pokémon Ultra Lune qui sont déjà là et qui arrivent encore. Et du coup, je vous dis rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!